soldats de ma vieille garde, après 20 ans, je viens vous dire adieu. La France a capitulé. Aussi, ne m'oubliez pas. Hélas, je ne puis donner. Salut les gens, c'est Toliko, Little Gecko and Friend. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Napoléon Total War. Et pendant que mon casque commence à bugger un peu avec mon micro, c'est une bataille. Je ne vous ai pas montré le début. C'est simplement, si vous vous rappelez bien, il y avait une armée qui était en Bretagne, une armée anglaise menée par rien d'autre que Arthur Wensley, le comte de Wellington, et donc j'ai fait sortir Joachim Murat de la ville où il était. Je ne sais plus du tout quelle ville c'était, alors qu'il, lui et ses hommes étaient en train de se reposer, car en fait j'ai joué sans filmer pour voir en fait ce que ça allait donner. Et en fait l'armée de Wensley se dirigeait vers Paris. Donc, je me suis dit je vais recharger la partie et je voulais vous montrer le combat, sachant que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, donc c'est un peu bizarre pour moi. Et longtemps que j'ai pas joué aussi un Total War, parce que en fait j'ai essayé de filmer ce Total War sur mon ordi fixe, mais en fait, en lançant le jeu, ça a supprimé le mode, bizarrement. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi du comment. Voilà, soldats réunionnais ici. Mélancier ici. Et désolé si je m'as sorti de vidéo depuis longtemps, c'est juste que je me sentais pas trop d'en faire. C'est juste ça. Bon. Pas de musique. Attendez. N'y a-t-il pas de musique dans ce jeu? Oui. Les musiques sont discrètes, mais les musiques sont bien. Voilà, je préfère. Encore une technique assez standard. On va... Je rame un peu, ça qui est un peu chiant. Je vais pilonner ses canons avec mon artillerie. Il va se mettre en position défensive, c'est sûr. Je vais attaquer de deux côtés, tout simplement. Je vais attaquer de ce côté-là et de ce côté-là. On va faire courir quand même. Pareil pour eux. Ces deux-là. Ici. Allez, courez. Ouh, j'ai l'impression qu'ils vont charger. Stop. Ils vont charger. Avec ses chevaux légers. Je prépare mes cavaliers quand même, on sait jamais. Et le premier tir sera pour les Français. Ah, la précision légendaire des Français. Voilà, le carré qui est formé. Pas trop. Et je les accroche. Je peux me débarrasser d'eux assez rapidement. Et il fuit. C'est cool. Il reste plus que une unité de cavalerie. Encore les mêmes. Je pense. Mes canons. On se faire plaisir. Allez. Là, ils sont tirés des deux côtés en plus. Mes canons. Ok.
qui rate leur tir de mitraille, qui ne rate pas, non. Pas du tout. Et puis. Ils n'ont plus de cavalerie. On parle en général, mais bon. Ça, ce n'est pas trop un problème. On s'approcher de leur canon. Sachant que leur canon... Ah non, je vais pas faire ça. Ok. Je vais avancer la ligne. Et on va les faire courir. Allez, courez soldats. Petite colline là, ils vont pouvoir prendre bien position. Juste là. Et eux, là ils vont être aussi en hauteur. Il faut qu'ils courent. Mes cavaliers, on va faire se positionner là. Je pense qu'ils vont pas aimer l'encerclement. Oh, mes canons qui ont bien visé ce canon là. Je vais faire avancer encore un peu plus là. Sur cette ligne. Mes hommes qui ont premier feu. Ils doivent tirer sûrement sur les canons. Mes lanciers. On a bien derrière. Ils ont un canon en moins, bientôt deux. Ouh, par contre ce canon fait des dégâts de ce côté-là. Ah ouais. Ils ne rigolent pas. Et ils sont bientôt morts, il ne reste plus qu'un seul canon. Ce canon-là n'a pas de canon. Très bien. Et on se regarde. Ils avancent, donc je vais avancer. Quoique non, restez là. Restez là, qu'on ait le premier tir. Et on va... Putain, j'ai bien sectionné tous mes hommes, là ouais. On va bien le mettre comme ça. Mes canons n'ont plus pouvoir vraiment m'aider à ce niveau-là. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Du tout, plutôt ça. Ils vont attaquer directement ces unités-là. Ouh là là, ça sent mauvais pour les Rosbif. C'est vraiment dommage que je rame sur cet ordi. Et mes cavaliers vont s'occuper du duc. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire là, ces Anglais. J'ai cette impression là. Les lanciers français. Qui. Ils essayent de protéger le duc, on dirait. Je sais pas si ça va marcher. La garde écossaise qui s'est massacrée. Allez, la charge. Ou le boulet qui touche.
et la charge. Ça ramait pas qu'un peu. Allez. Ils ont bientôt tous fuir. Plus qu'elle est chassée. Cueillie qui s'amuse. Pardonnez au canon d'arrêter de tirer. Les grenadiers qui vont y passer. Bon, on tire un peu juste la... juste la vitesse. Ça sera un peu plus fluide. Là, on a les grenadiers anglais qui fuient. Je te poursuivre ceux-là. Ils fuient tous ? Non. Pas c'est tous. Une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Sucré, c'est des l'infanterie normale, c'est le pire. Seul soldat qui reste. Allez. Achevez-les. M'étonne que tant de grenadiers fuient comme ça. Et voilà. C'est la win. Ils n'ont plus aucune unité. Oui, c'est bon. Oh, non. Quoique. Bah non, c'est très bon. Allez, je vous dis à tout de suite pour le temps de chargement. Pour l'après-temps de chargement, plutôt. Mais voilà. Alors, 121 pertes chez les Français contre 540. C'était une victoire héroïque. Et Wellington. Il reste que dalle, là, de Wellington. Préparez-vous. Mais qui fuit jusqu'à là, je veux dire. Bon. Je vais libérer ce port. Ah, il était déjà libéré. On va regagner Rennes. Il ne reste quoi chez eux? Une unité inconnue. Très bien, très bien. Alors, je vous rappelais qu'il y avait l'armée de Napoléon qui allait vers Amsterdam. Pour prendre une fois pour toutes cette ville, c'est eux qui osent eh bien contester le pouvoir de la France, à chaque fois qu'ils m'attaquent dans le dos, ça m'énerve un peu. Et on avait terminé le tour. Terminé le tour, j'ai dit. Ah, c'est bien. J'ai mon armée qui protège c'est. Plus c'est qui contrôle cette armée là, qui protège Munich, parce que les Autrichiens là ils sont pas contents du tout. Sachant que je vais arrêter la série dans pas longtemps, je pense encore un épisode ou deux épisodes ça devrait le faire. Car mon objectif, je l'avais dit dans l'une des premières vidéos, c'était prendre Vienne et détruire la flotte anglaise. J'aime pas là ces deux armées autrichiennes qui sortent de qui sont cachées dans les bois. N'aime pas trop ça. Ok. L'armée prussienne qui recule. Ça c'est bien. Les Russes, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Ah, mais ils sont juste là, les Russes! Ok. Putain, mais Munich, Non. Nous ne céderons jamais la Picardie. Non, ça va être deux batailles. Pour cet épisode. Ah non, ils attaquent maintenant. Ah, merde. On peut pas gagner. Hein. Ils ont quoi? Ah, j'ai pas mis le jeu en anglais. Mince. C'est vrai que je ne sais pas ce que c'est. J'ai oublié de mettre le jeu en anglais.
la Bavière, avec sa toute petite armée. Le Danemark qui continue ses conquêtes, sûrement en Grèce. C'est un allié assez insolite, hein, le Danemark. Et donc ça fait que pour terminer rapidement la série, je jouerai en fait plein de trucs sans filmer. Et je vous montrerai la bataille finale à Vienne et contre la flotte anglaise. Comme ça je pourrais attaquer une nouvelle série. Il y a un peu trop de séries sur la chaîne en ce moment. Les Espagnols, vous pouvez pas nous aider? Un peu, je veux dire, personne va vous attaquer. Je sais que vous m'aimez pas, mais vous êtes mes alliés. Quand même. Alors, j'ai perdu. Oui. Code Napoléon, ça c'est cool. Plein de raids, ça c'est épique. Gentilhomme est devenu avocat. Ici, donc il y aura un raid. Ici aussi. Mais l'armée anglaise qui est restée, je sais pas du tout où elle est passée. J'ai recruté ce petit galote à bombe. À Venise, j'ai récolté pour une armée, d'accord. Et combien de temps avant que ma flotte arrive? Deux tours pour mon bateau est. Ok. 122, 74, 38, 80. 80, 4 tours. Ici, le port a toujours pas terminé. 2 tours. Frégate à 38. Je terminais ça. De toute façon, j'ai pas de sous. Je n'ai pas de sous. Mes canons qui venaient de Marseille. Qui atteignent finalement Venise. Et. Ma cavalerie. Même si j'ai un peu peur. Vu que là, il y a des armées autrichiennes qui sont cachées. Embuscade? Ah, dites-moi que c'est une embuscade, je le sais, what the fuck. Masséna, c'est vrai que c'était Masséna. Deux canons, plein d'infanterie. Trois canons, plein d'infanterie. Mais de la milice. Bon, bah ça va être... j'ai formé que des carrés. Ça va être assez simple. Fais chier. On se demandait, ça va rajouter un peu de difficulté, on va dire, à cette bataille.